jeunesse a été mobilisée de manière différente pendant les guerres de religion, à la fois comme acteur des massacres pour commencer l'attaque de protestants, pour achever des cadavres. Enfin, ça, ce sont des choses qui ont été assez bien étudiées, notamment par Denis Crouzet dans ses Guerriers de Dieu. Mais là où j'ai focalisé mon attention, c'est sur la pédagogie et sur l'enseignement. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école pendant les guerres de religion et comment on forme une jeunesse militante dans ce contexte très particulier? Donc, je me suis appuyée sur des sources inédites, qui sont des recueils de compositions d'élèves du Collège des Jésuites de Paris, du collège qu'on appelle le Collège de Clermont à Paris, pour essayer de comprendre comment les professeurs avaient fait travailler leurs élèves pour leur faire intégrer qui étaient leurs ennemis, comment les haïr et comment traduire cette haine en actes pour en faire des acteurs militants de la cause catholique. Alors c'est non seulement pour justifier les actes des adultes, en effet, que les enfants interviennent, mais aussi pour renforcer le sentiment de communauté, pour qu'ils s'identifient à la cause de leur camp, et enfin pour préparer l'avenir, pour prolonger le combat dans le futur en formant des jeunes qui seront ensuite des acteurs intransigeants. Moi, j'étudie des enfants qui ont entre 12 et 16 ans, l'âge des collèges, mais il y a dans les massacres, on voit intervenir des enfants beaucoup plus tôt, à la fois comme victimes et aussi, comme je vous le disais, participant à la violence. Et puis, on les fait aussi participer à des manifestations collectives comme les processions, voilà, où on manifeste l'adhésion de toute la communauté jusqu'à ses plus jeunes membres. Alors ça, c'est une chose sur laquelle je m'intéresse, je me penche sur la fin de cet ouvrage, c'est surtout que deviennent ces enfants dans le premier XVIIe siècle, quand leur camp a perdu et quand Henri IV a gagné. Henri IV qui était présenté vraiment comme le monstre absolu, qui devient le roi, et que font-ils en atteignant l'âge adulte? Quels sont leurs choix? Et bon, on voit que les réponses à une éducation militante sont très différentes suivant les enfants, et on peut tirer des parallèles avec des situations plus contemporaines. C'est évidemment la question la plus difficile, hein. Ce qu'il en reste dans les consciences, ça je ne sais pas.